mon agent. Putain, mais tonton, dis-lui qu'on avait la thune, je te jure. Mon... Oh, on avait l'argent, Emilio, c'est-à-dire quelque chose. Tu penses qu'on aurait des putains de grosses boules, hein, n'est-ce pas, Bilbo, pour venir ici sans l'argent? Tu penses vraiment? Parce que Ricky est beaucoup plus malin que vous, hein? Oui, bah pour ça, il a été malin. On a bien eu. Pour ça, il a été moi malin. Aussi, je voulais baiser cette petite-là. Nikita, elle s'appelait. Putain, qu'est-ce qu'elle était bonne. Elle avait un cul, c'était un trampoline, putain. J'ai jamais pu la baiser. Tonton, la baiser, moi, la baiser. J'ai jamais réussi à la possible, baiser, tonton. Putain, tu sais. C'est pareil. Et alors, 2 millions, c'est dur à avoir. C'est un peu comme le cul à Nikita. S'il te plaît, Emilio, s'il te plaît. Emilio, va voir le coffre. Va voir son coffre, je te jure qu'il y a la mallette dedans. Va voir le coffre, s'il te plaît. Alors, écoute-moi bien, je vais te suivre. Ah, ce coffre. C'est quoi ça, là-bas? C'est quoi ça? Doucement. Oui, voilà. Oh, putain de... Ou peut-être il a gardé des billets dans ses poches, je j'en sais rien, s'il te plaît, regarde. Je t'en suis. L'argent, t'es en train de me dire que je suis en train de te voler. T'es en train de me dire que je suis en train de te voler, petit. Tu veux que je t'abatte devant lui, c'est ça? T'es en train de me dire que je suis un menteur? Comme quoi j'ai de l'argent? Dieu seul sait que nous avons donné l'argent. T'as juste un mot à me dire, Emilio. Arrête, tonton, arrête. On dit encore une fois que je suis un menteur, enculé, hein? Moi je t'ai baisé, c'est ça que t'es en train de me dire? S'il te plaît, Emilio, va. Connard de merde. Calme-toi. Je t'aurais buté depuis très longtemps si ça aurait été moi. Calme-toi. Tranquillo. À chaque situation, sa solution. Calme-toi. Elle a poter. Passé pour un vrai gâteau. Cayate. Cayate. N'écoute pas, Kiki, ne l'écoute pas. Tonton, dis rien. Aujourd'hui, c'est peut-être passé, comme j'ai dit, et ça je le respecte. Parce que je vais vous faire un cadeau. Je vais faire un pas vers vous. Vous avez fait un pas vers moi, je vais faire un. Très bien. Je vais vous rendre votre ami Manny. Est-ce qu'il est bon, Emilio? Dites-le, je suis bon. Oui, tu es bon. Je vais vous rendre votre ami Manny. Je vais le libérer. Merci. Il a passé quelques jours compliqués, il a pas mal souffert. Hein? Ricky, on va le libérer, Manny. Oui, bien sûr. Manny. Tu es quelqu'un de clément, c'est très bien. Très bien, on le libère. Oui, oui. Il a compris le sang, je pense. Viens, hein. Viens ma fille. Il va libérer Mali, allez va. Tranquille, tranquille. Il a faim, il a faim. Et Zach. Voilà. Mani, ouais, et le sac, tu l'as pris, sac, tout à l'heure. Il est où, Zach? Ça coûte 2 millions, non? Si je dis pas de bêtises. Disons que Zach, c'est une histoire un peu plus complexe. C'est-à-dire que. Comment ça? Tonton, lui a donné la mallette, tu l'as donné. Tu feras bon. Vous êtes persuadé d'avoir ramené les 2 millions, vous êtes persuadé d'avoir fait le nécessaire, mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Mais Emilio est bon. Et Emilio va vous rendre votre ami. Par contre, je ne sais pas ce qui va arriver pour l'autre. Venez. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Emilio. Non, tonton. Emilio. T'es sérieux de faire ça, toi? T'es sérieux de faire ça? On fait déjà un pas vers vous, hein. Je vais faire ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Je te dis quelque chose. Qu'est-ce que tu me racontes, petit? Oh là, s'il te plaît, ils sont bien. Alors, suis les autres. Ils sont saines. Emilio, nous t'avons ramené le mallette. Voilà. Toi, le petit grossette, là, nous avons ramené mallette, je te jure. Il est où la mallette? Il est où? Hein, tu l'as mangé, la mallette? Il est où? Faut arrêter, hein, faut arrêter de prendre Milo pour un con, hein. Bon, on peut pas tout vous donner non plus, hein. Faut arrêter à un moment donné. C'est quoi ces histoires de mallette, mec? Ils sont en train de me prendre. Pourquoi? Vous êtes complètement fou pour venir m'affronter du regard comme ça et me dire qu'ils sont ramenés l'argent. Mais, je suis d'accord. Emilio, s'il te plaît, va voir dans le coffre de la voiture, je t'en supplie, va voir, je suis sûr qu'il a laissé là-bas la mallette. Emilio! Quoi? Je suis sûr qu'il a laissé dans le coffre la mallette, je te jure. Ça fait 4 ans que je travaille avec cet homme, il a jamais doublé quelqu'un. Tu crois que c'est aujourd'hui pour te faire quelqu'un dans l'arrêt qui va me doubler? Le bagarre. Et attention, il y a un tir. On applaudir, hein? Tonton, tu peux applaudir pour la libération de Manny. Merci. Ouais, merci. Félicitations. Ouais, Zach, Manny, vous allez bien? Merci. Ça va? Zach, ça va? Bien. Ça va? Manny, ça va? Ça va bien? Ça va, Zach? Zach, ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? J'en ai pas mangé avec lui. Eh, Zach, s'il te plaît. Eh, Zach, lève-toi. Eh, Emilio, viens. Écoute ce qu'il a à dire. Eh, Zach, dis-lui qu'on lui a donné la mallette. S'il te plaît, dis-lui qu'on lui a donné la mallette. Dis-lui qu'on l'a donné. Dis-lui.
Zach, il se passe quoi, les Zach mecs, je comprends rien. Ouais, ouais, ouais. Dis-lui qu'on lui a donné la mallette. Oui, il a donné à Ricky. T'as donné la mallette à quelqu'un et je te bute de suite. Ok, ne me fais pas mentir. Il y en a un autre qui veut récupérer quelque chose ou parler de quelque chose. Je me suis peut-être trompé. Je te laisse parler de petit depuis tout à l'heure, mais me fais pas mentir, ok? Non, non. Ricky, très bien. Ricky, tranquille, tranquille. Gardons notre calme. Ricky, vous savez qu'il n'aime pas qu'on le traite de menteur. Ça le répugne, par contre. Là, vous êtes en train de jouer avec le sentiment d'un homme. Là, je pourrais plus répondre de la vie d'aucun d'entre vous. Hein. C'est terrible. Respectez mon ami. C'est clair. Zach, il dit qu'on lui a pas donné Est-ce la mallette. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est clair. C'est clair, on lui a bien. Donné, on lui a donné, et putain. Respectez mon putain de pote, lui... hein. Mané. Vous lui avez dit de compter les billets, même. Bah oui, attends. Moi, qu'est-ce qu'il y a, Emilio? Putain, tu es libre. Je suis libre, je suis libérable. C'est un geste que je vous fais aujourd'hui. Félicitations, Mani. Je prépare un truc. Mani. Et regardez, un homme fidèle, fais un bip à la main. Merci-moi. Oui, Beko, ta main. Beko, ta main. Je te plains, ta main. Beko. Non. On va nous attendre un peu. On va rester Mani, là. Mani, c'est pas fini. Zach, aidez-nous. Zach. C'est bon. Je suis hop, voilà. Ouais. Ah, très bien. Salah, je vais t'aider, Salah. T'inquiète. Tonton, c'est quoi les bails là? C'est le choix entre tonton, vieille connaissance de longue date, un article et ça crée beaucoup d'inquiétude, hein? Quels sont tes atouts? Je suis Zachary. Oh, très bien. Oh là là. Avance Zachary. Bien. Hein? Avance. Je t'ai préparé tonton. Là-bas, chez Milieu. Tu peux sortir, viens, avance. Gracias. Hein? Pourquoi? Tonton, viens, tonton. T'inquiète, ouais. Viens. Mani, viens. Oh, Zach. Hey, regarde-moi. Je lui ai donné la mallette. T'as entendu? Je lui ai donné la mallette. Tu étais là, et tu comptais même les billets. Je lui ai donné la mallette. Il t'a pris, il s'est barré. Moi, il m'a mis une cagoule sur la tête. Attention, bagarre, attention les gars. Non, pas bagarre. Non. Ouais. Non, elle est rentrée. Oh putain. Oh non, les gars. Mani, viens là. Ouais. Je lui ai donné les 2 millions. Je te jure que je lui ai donné, frère. Il a dit à Emilio que je vais pas donner. Alors je lui ai donné, frère. Attends, la vie d'Ouam. Vous êtes fait. Attends, mais où sont les 2 millions que t'as passé? C'est lui qui les a, le putain de mec avec son. Ricky, le blond là. Putain. Ricky Big Balls. Oui, je lui ai donné. Il dit qu'il l'a pas. On s'est fait baiser sur toute la longueur. Attends, il vous a arnaqué là? Putain. Il s'est fait niquer. Moi, ça va me faire mal au cœur. Je vais pas le dormir ce soir. Tu sais que par ta faute, on reste calme. Ça va bien se passer, ok? Mani, c'est à toi de nous sortir de la merde maintenant. C'est à toi, frérot. Comment ça? À moi, je suis dans un état. Gros, on peut rien faire. C'est comme une prison ici. Ça fait combien de temps? À partir maintenant, on reste à trois. Il a dit que. On reste à trois. T'es libérable. Oui, mais toi, t'es pas libérable, frère. J'en sais rien de ce qu'il a dit. Non, mais lui, Mani est libérable. Moi, non. Mais oui, et c'est bien là le problème, frère. On repart à trois d'ici. Silence, silence. Il a tiré une balle. Non. Oh putain de sa mère. Écoutez-moi bien, les gars. On repart à trois d'ici. Vous avez entendu? J'espère. Voilà. On repart à trois d'ici. Sans embrouille et on ferme notre gueule. Mané, j'ai l'impression que tu l'aimes vraiment cette cellule. Est-ce que tu veux rester ici? Non, c'est bon, je m'en fous d'ici, c'est bon. T'as l'air d'apprécier le lieu. Ok, je rejoins tonton. Non, et... c'est bon, je déteste ce lieu. Alors, qui c'est qui me reste? Wesley, la superstar. Alors, ça fait quoi d'être une superstar? Je suis pas une superstar, Emilio. Elle a dit n'oublie jamais le respect. Emilio, je suis un homme de parole, tu le sais. T'es pas un homme de parole, t'es venu sans mon argent. Putain. En plus, tu me regardes dans les yeux en me disant que tu l'as ramené, mais je n'ai rien dans les mains. Il l'avait ramené, je suis témoin, il l'a ramené. C'est du travail d'amateur. Si l'argent n'avait pas su le sécuriser jusqu'au bout, c'est du travail d'amateur. C'est tout. C'est votre problème, c'est pas le mien. Hein. Moi, je vous donne ma confiance. Vous m'avez trahi. C'est pas vous qui allez mal dormir ce soir, c'est moi, dans cette mauvaise nuit. Dis
qu'est-ce que je peux faire là, Emilio? Je te jure qu'Emilio, je les ai ramenés les. Viens, suis-moi, je vais t'expliquer, viens, viens. Je suis en vie, pas dans le meilleur des états, mais je suis en vie. C'est alors, le des cadeaux déjà d'être en vie, sache-le. C'est qui lui avec la cala? C'est qui? Je vais vous expliquer. Oh, quelque chose. Oh, faites-moi sortir, je suis tout seul, s'il vous plaît. Silence! Silence! Tranquille, Auré. Comment ça me sortir par le trou de nez? Alors, comme j'expliquais à votre cher ami Tonton, vous trois, vous allez devoir me ramener 4 millions de dollars maintenant. C'est plus 2 millions. 2 millions, hein? J'attendais rien, j'ai zéro. Oh non, hein? non, ça recommence. Quand vous avez une semaine, il faut me ramener 4 millions. Non. J'ai les 4 millions, on fait table rase, on passe à zéro, et il y a plus de soucis entre nous. Claro? Mais... C'est bien? C'est impossible, Emilio, c'est 4 millions. C'est énorme. C'est trop, Emilio, c'est trop. C'est tout ça, nous avons galéré pour avoir ça. J'ai des dettes partout. Emilio. Vas-y, Ricky. Tu vas pas pleurer là, c'est bon, hein? Ces petits sont des petites stars. Allez bien réfléchir. Allez ramener les 2 millions. De les faire charbonner. Tonton, 4 millions, on peut pas. C'est beaucoup trop, on peut pas. Maximum, on va récupérer un maximum de pognon. Tonton, on peut pas. Et là, à ce moment-là, on pourra récupérer. Comment on va faire? Qu'est-ce que t'en penses? Bordel de merde, comment on va faire? Alors, très bien, est-ce que vous allez faire? Ça me fait mal de voir ça qui là-bas. Putain. À partir de maintenant, ton manager, c'est Rick. Hein? Quoi? Non. Maintenant, ton manager, c'est Rick. Travaille pas avec lui, moi. Travaille pas avec lui. Travaille pas avec lui. Ah, parce que monsieur veut choisir avec qui travaille. Wesley, Wesley, Wesley. Non, c'est bon. Non, non. Tu veux savoir avec qui tu travailles? Ramène-toi, enculé. Ricky, c'est bon. Ricky, c'est bon. Ricky. Tu fais encore une putain de réflexion devant moi ou devant Emilio? Putain, non! Ma putain de personne! Je suis Ricky Big Balls! Ricky! Tu comprends ou quoi? Arrête, calme-toi! C'est bon. S'il te plaît. Si t'as besoin d'une balle dans la tête pour mieux réfléchir avec du plomb, je peux le faire si tu veux, ok? C'est pas le monde des putains de bisounours ici, ok? Voilà! Allez, donc si Emilio te dit que tu vas bosser, tu vas bosser! Tout le monde, garçon, calme, allez, calmez-vous, on va bosser, on va bosser, vous inquiétez pas. Revenez. On va bosser, ne vous inquiétez pas. Même moi, je vais bosser. On va bosser. Alors, tu restes ici, petit, pour l'instant. Je reprends les explications. J'en peux plus. Il force 2 millions, 4 millions, c'est trop. Manager aujourd'hui, c'est Rick. Parle bien de ton temps, hein? Je gérerai encore un peu les opérations. On prend 70% de chacun des... Enfin, on voulait juste le minimum vital. Hein? Et vous me ramenez mon putain de dîner. Emilio, donc nous, là, nous sommes poutres. C'est ça? Nous sommes poutres, nous. C'est ça même? C'est ça, Emilio? Poutre ou tu peux être poutre ou tu peux être muerto. Quel cas tu choisis, mon ami? Poutre. Très bien. J'adore. Oh putain. Ce business, il va finir par me tuer, Rémi, je te jure. C'est trop 4 millions, tonton, c'est... T'es un malade. Mais la question principale, les amis, vous avez oublié la question principale. Si vous ne ramenez pas les 4 millions, qu'est-ce qui va se passer? Mais ouais, c'est ça. Il va se passer quoi? Ah, bah j'ai... Une petite idée, on va commencer par toi, Manny, t'as une petite idée? Attends, je vais peut-être demander à mes amis. Rick, t'as une petite idée de ce qui va se passer? Attends, me dis pas... Je t'écoute. Je te disais, si il ramène pas les 4 millions, il me demande qu'est-ce qui va se passer. Me dis pas ce que je pense. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre ton temps à découper à chacun de ces putains de membres pour les envoyer de partout à Los Santos. Je suppose qu'on change pas de méthode, Emilio. C'est une proposition. Emilio, tu m'as déjà demandé 2 millions, tu me redemandes 4, c'est quoi? Si tu vas me redemander 6, c'est... Ils sont où les 2 millions? Mais les 2 millions, c'est lui qui les a! Putain! Encore une fois, du bord, culé. On les a joués là, le problème! C'est ça que vous comprenez pas! Calme, mais gros, non, mais j'en peux plus! C'est trop là! Il me croit pas, frère! S'il vous plaît! Du calme, on est dans une situation délicate là. Du calme, Wesley. Ok. Je peux pas me servir 2 millions. J'en ai rien à foutre de vos 2 millions. C'est de la grâce, j'en peux plus. Tonton! T'as pas besoin de ça, voilà! Vous nous avez volé.
tranquille. Attends, mais du coup, c'est quoi? Amigos, tranquille, tranquille. Il se passe quoi là? Vas-y, c'est bon, vas-y, abrège. 4 millions, c'est bon. 4 millions, comment ça? Non, c'est bon. Voilà, tonton, je parle à tonton. C'est bon, il parle à moi, il m'a dit à moi. Il parle à tonton. Il m'a dit à moi. Bon. Et si jamais vous ramenez pas les 4 millions, il va se passer quoi? Zachary! Mon ami, viens ici. Je sais pas. Aïe, 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 aïe. Ça sent si vraiment pas bon. Il a pas aimé le mot abrège. C'est pas passé. Mani, tonton, j'en peux plus là. J'en peux plus. Non. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Mani, il fait quoi là? Il fait quoi? Vous restez à votre place! Il fait quoi là? Non! Vous restez à votre place. Non, s'il te plaît. Emilio, non! Non, non, je veux pas voir ça. S'il te plaît, Emilio! Depuis tout à l'heure, je vous parle tranquillement, hein! Je rigole avec vous, je vous fais des petites blagues, des petits trucs tranquilles, hein! Il n'y a pas les 2 millions, vous accusez mon ami d'avoir volé l'argent! Hein? Vous me faites perdre mon sang-froid! Moi, Emilio! Je répétais pour la force tranquille, mais là, j'ai plus de force tranquille. Vous souhaitez venir dans mon territoire et me dire qu'un de mes hommes vous a volé! Hein? C'est pas mon argent, pas un dollar! C'est ça le respect que vous me devez? Hein? Je kidnappe deux de vos hommes et vous venez ici? Le chat, j'ai une question. Pourquoi c'est HRP là? Y'a aucun HRP, les gars. C'est. Comme ce putain de des putains de merde. Non! Quoi? Non! Bouge pas! Tu recules! Tu recules! Non! Je vais finir avec lui, recule! Dépêche-toi! Tous vous mettez un cagoule et servez-moi d'ici! Une semaine pour ramener mon argent. D'accord. Je te dis, petit, je n'ai pas aimé le mot après. Ah, il est énervé. Je n'ai jamais vu comme ça. Oui, il est énervé. Ressentir ces colères. Allez, relève-toi. Tu veux devenir papa? Une fille pour la douche, c'est mieux. C'est moi, je vais devenir papa. Tu veux devenir papa aussi, tonton? Merci pour ta donnée. Les gars, le jour où. Je rigole, parti. On aura la balle dans la tête. On lui mettra la balle dans la tête. Je voudrais que tout le monde dise, sans même que je le dise, j'y étais. Je prends une décision où elle va vite. À tout moment, je. Ok, le chat? Et mon gosse, je le verrai jamais. Tout le monde, je voudrais que vous dites, j'y étais. Est-ce que c'est possible ça? Toi aussi, Wesley, ouais. T'as une copine. Alors, rends-toi. Ouais, je sais. Je peux sais. Pas me ranger. Tonton, je vais te dire un truc. Il faut que tu le retiens. Le jour où je mets la balle, j'y étais. Que le chat, c'était j'y étais. Je lancé, c'est 10 ans de bonheur, 30 ans de galère. Et là, je suis en train de la vivre. Retenez tous, hein. Mais ça fera notre force. J'y étais. Je suis trop avancé dans cette vie-là pour reculer. Vas-y, c'est carré. Ça nous va. T'inquiète, on sera là. Tu vas être grand. Alhamdoulilah. Vas-y, ça nous va, les gars. Vas-y, on check. Vas-y, mettez tous votre main contre moi. C'est checké, c'est bon, c'est acté le chat. Merci à tous ceux qui sont là. Et j'ai hâte qu'on arrive à faire la vengeance. Ça va prendre un petit peu de temps. On va faire une mission, on va élaborer le plan. Et là ça sera du vrai, ça sera. Soit je le tue, soit il me tue. Soit il me tue, soit je le tue. Ça sera la règle du jeu. Faudra la prendre comme on la prend. C'est dans mon ventre même, j'ai fait compter moi-même. Gros ventre là. J'ai fait compter moi-même. T'as sorti de quoi? Les gars, après ça faut. Après ça, j'aimerais marcher un peu seul pour oublier. Oh ouais, bien sûr. C'est normal. Merci tonton, merci du fond du cœur. Merci de quoi? Bah merci de m'accompagner, nous accompagner dans les moments. Tu sais, tonton, on se connaît pas depuis quand même très longtemps et je tenais à te remercier quand même tonton d'être avec nous. Tu me remercies pas, tu n'as pas à me remercier. Merci tonton. Remercie-moi le jour où nous allons buter cet homme. Ok. Alors on se remerciera tous ensemble. Vas-y. T'as le chat, on peut. Attends, je la ferai après. Vous êtes encore là de toute façon. Avant que je le dise. Ouais. T'as retiré les trucs du coffre? Non, j'ai encore tout. Ok. Attention. Qui peut la porte?
Bonsoir monsieur, est-ce que vous savez où... Ouais. Vous savez où est Zachary Poptin? Hein? Oui, malheureusement, il est proches? Mort. Attends. Quoi? Non, hein? il a rien dit. Vous êtes un de ses proches? Oui, on est les proches. Mason. Vous êtes de la famille Mason. T'as entendu? Attends. T'as entendu, Mason? On peut aller dans un bureau ou quelque part, je sais pas. Oui, bien sûr. William! Ok, les gars. Bye, à toutes. William! Est-ce que c'est moi, madame? Vous avez quelque chose à manger, sans doute, sinon, j'ai des mochis, si vous voulez. Si, tu peux donner, ouais, pas de problème. On va où, là? On va où? On va doucement, elle va te... Elle va me quitter. Merci, madame. Venez. Suivez-moi. On va aller dans une salle un peu plus discrète. À gauche, prenez bien à gauche, les gars. Donc, messieurs, dites-moi, vous faites partie de la famille, c'est bien ça? Ouais, c'est comme la famille, ouais. Éloigné? Ouais, comme la famille, ouais. C'est ça. Mm-hmm. Ok. Donc, vous êtes, c'est vous qui l'avez ramené ici? Non, il a été transporté. Mais moi, j'ai appelé les autres, etc. Vous étiez auprès de lui alors? Ouais, on était auprès de lui là, et on nous a dit que là, il était pris par quelqu'un et tout. Alors, j'ai le malheur de vous annoncer son décès. Ouais. Non, c'est pas possible. Vous pouvez peut-être lui rendre un dernier hommage. C'est pas possible. Faut que je sorte de là. Zach. Tout sauf Zach. Casse les couilles, on les paiera là. La prochaine étape, c'est les bois dans la tombe. Toto dans la tombe, c'est quoi, bordel? Chris Bertolo. Lève-toi. Allez. Il n'aime pas moi dans cet état.
C'est fini, c'est fini, je le reverrai plus. On le reverra plus. On va le voir. Une minute dans silence, s'il vous plaît. Que des hirondelles dans le chat. Mason, c'est ça que tu me parlais il y a longtemps.
Le corps, il est déjà là-bas. Oh là là. Sur les gros bras, frérot. C'est-à-dire que tu vas porter le cercueil avec nous. Tu vas peut-être l'emmener dans toi. C'est bon, Kat. C'est passé ou pas? Viens, on va assister. Moi, j'ai bien. C'est de l'art tout beau. Zach, on espère que où tu es, tu nous entends. On pense à toi. C'est dur. C'est dur. On t'a perdu trop vite. Les amis, si vous voulez dire un dernier adieu, mettez-vous devant lui et nous on se recule un petit peu. T'as pas une chicha à casser. C'est vrai qu'il aime plus. Chacun, vous allez lui dire un truc, allez. Venez. C'est le petit. Comment ça? Zach, merci pour tous les moments qu'on a passés. On a rigolé, on a vécu des trucs de fou. C'est dur de devoir partir comme ça. Je pensais qu'on allait faire encore plein de trucs et... Sache que tu es. J'espère que. Mon papier. Tu laisses la place, tonton. Alors,
Je me rappelle encore, il y a quelques sous, tu me disais, venez, viens, tonton, on va essayer de battre le record. Je passe malheureusement sans battre le record avec moi, tu me vois-tu? Mais je voulais te dire quelque chose, sac. C'est que je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Si c'est... tu penses partir comme ça, c'est de ma faute, alors... je voulais juste te dire pardon. Et je te promets quelque chose, c'est-à-dire que... on va réussir à avoir cette peau et on va te vaincre. Voilà. Et à ton âme, mon petit, je t'aime. T'allais finir ta vie au volant du RS en battant le record. T'as fini. Et 4 balles dans la tête. Zachary. Aujourd'hui, je suis très triste qu'on m'annonce ça, alors que hier j'étais en train de t'appeler pour qu'on me fasse encore des chichas. Je veux pas m'en souffler. En tout cas, ça, c'est dans mon cœur à vie. Tu sais, moi, j'ai plus qu'Herman. J'ai grandi avec des personnes, j'étais plus que ces personnes-là.
tu seras dans mon cœur à vie. Et j'espère que tu me surveilleras. Tu me donneras la force de remonter cette épreuve. Tu vois, c'est parce que cette épreuve est dure de perdre un Hermano avec qui on a passé des bons moments. Dans les bons comme dans les mauvais moments, t'as toujours été là pour moi. Et j'espère que là-haut, il y a vraiment une putain de bonne nuit. Je t'explique, il y a vraiment une putain de bonne nuit là-haut. Et t'inquiète pas, je viens de la fumer avec toi. Et comme on dit, t'inquiète pas, on va le faire la guerre. Attends, je vais jeter peut-être dans mon chicha avec le caméra. Mais pourquoi il parle de chicha? Pourquoi il parle de chicha? Je sais pas. Ouais, c'est quand t'étais chez papa, dans la tienne. Nous, on fait le tour de chicha. Allez là, la boule de terre. Zach, t'avais dit que Manu s'était snipé au final, c'était pas ce que tu... Bon, les gars, j'aimerais qu'on fasse tous une dernière minute de silence pour Zach. Merci beaucoup. Minute de silence dans le chat. Minute de silence. Minutes pour Zach. Et après, c'est le deuil. Minute de silence. Comment c'est calme? Merci beaucoup. De rien. C'est qui le met à l'intérieur? Je cherchais un peu les derrière. Oui. Bon. On se revoit tout à l'heure. Je t'appelle, tonton? Bah oui, vas-y, bonjour. Je vous appelle. On revient tout à l'heure. Tout à l'heure. J'essaye.